Dans un monde de plus en plus connecté, la cybercriminalité est une menace planant sur tous les domaines, militaires, industriels et même sanitaires. Ici, deux faux hackers vont essayer de pénétrer le système informatique d'une station d'épuration d'eau. Un des scénarios tout à l'heure qu'on vous montrera va être la prise de contrôle des systèmes SCADA, donc qui contrôlent le traitement de l'eau, et avec une augmentation artificielle du taux de chlore. Donc c'est le début d'une crise informatique que l'équipe va devoir gérer et remédier. Cette année, le Forum international de la cybersécurité se tient à Lille en pleine campagne présidentielle. Récemment, le hacking des boîtes mail de responsables démocrates américains par des pirates supposés proches du Kremlin a surpris les Européens. En France, les listes électorales gérées par les mairies sont numériques, donc vulnérables. Le ministre de l'Intérieur, venu visiter le salon, prend ces menaces très au sérieux. Et ne pas laisser ensuite s'installer dans le débat public des éléments qui nous sembleraient faux et des éléments venant de l'extérieur. Donc c'est une veille permanente qui est assurée aujourd'hui sur ces questions, à côté de la protection de notre système de remontée de résultats, sur lequel bien entendu nous veillons aussi tout particulièrement. Des cybercriminels capables de voler, de manipuler ou de divulguer des données, autant d'informations susceptibles d'influer sur l'opinion, voire de faire tomber un candidat.